L'enregistrement est lancé. C'est terrible, parce qu'aujourd'hui nous avons 3 supports dans notre équipe. En effet, je joue Leona en midlane. Nous avons également le droit à Brom jungler et une Nami support. Rien d'anormal. Ça peut être intéressant. Alors on a fait des réflexions au Brom jungler, mais on n'a pas fait de réflexion sur ma Leona midlane. Donc je pense que les gens ont conscience de ma puissance. Et ne seront pas étonnés de mon résultat parfaitement satisfaisant. Encore une fois, nous n'avons pas le match-up. Nous jouons contre un talon qui va nous défoncer la gueule normalement. On sort de la game d'avant, qui était une game contre Yeshua, qui doit être en ligne sur la chaîne normalement, au moment où cette vidéo sera en ligne. On va pouvoir constater ensemble que nous n'allons pas avoir la même chance que la partie d'avant. On n'est toujours pas le best avec Leona, parce qu'on n'arrive pas à avoir de bonnes notes, même si on fait des bonnes parties. J'ai du mal à comprendre dans quelles circonstances on a des S+ avec Leona si on joue pas support. Mais je crois que c'est ça le truc en fait, faut jouer support. Notre support, notre réel support n'a pas l'air d'être de bonne humeur. Tout va bien. Ouais, c'est le talent qui est complètement raté. C'est pas nous qui avons bien joué, ne nous mentons pas. On a tenté, on a grid hein. On a carrément grid pour rien. Bon, on a fait exactement ce qu'on devait pas faire, c'est-à-dire qu'on a eu de la chance et on a pris un premier kill de first blood sur Talon, et plutôt que de rentabiliser là-dessus, on s'est dit qu'on allait grid comme de la merde et on a perdu notre avance. On peut rien faire malheureusement. Il y a quand même quelqu'un qui pense qu'il n'y a que deux champions tanky dans League of Legends. Je sais pas trop quoi penser honnêtement. Carnage ennemi. Le soleil se lève toujours.
pas ce qu'il faut en termes de dégâts. Je crois que nous n'allons pas remporter cette partie, à la grande surprise générale. Pourquoi elle commence à jouer maintenant là? Qu'on tourne en rond. C'est compliqué de finir. De faire ah, ça. Votre tourelle a été détruite. Je vous proposerai. Qu'est-ce que notre équipe a foutu? C'est un truc qui est foutu, bordel de merde. Ah dommage. Oh nice one. On a gagné cette partie, c'est mon top ça. Plutôt que vous flader, ils vont rien faire. Plus le temps va passer, plus on va stacker d'armure et les mecs vont plus rien faire de la guerre. C'est honteux, mais on a gagné cette game. J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris ce qu'il a demandé. Et l'autre TPO en fait. D'accord, c'est Freeborn. Est-ce que ça valait le coup de me sacrifier pour lui? Je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'il bulle le bro, ça m'intéresse. Il fait full tankinette, d'accord. C'est surprenant mais ça marche. Mon gameplay va être tout en subtilité, hein. C'est-à-dire de l'armure et encore un peu d'armure par-dessus. Thank you.
d'accord avec moi sur l'optimisation. Prends quelqu'un que j'apprécie dans son choix de champion et son optimisation. Je crois sincèrement qu'on a toutes les chances de gagner cette partie de la game. Qu'est-ce qu'on peut faire avec plus d'armure encore? Une GA. On peut faire une GA. Est-ce qu'on peut pinguer son armure? On pourrait finir la partie. Hein. Honnêtement, on pourrait finir la partie, on n'a pas besoin d'une hache. Hein. Je le fais ou je le fais pas? Non, non, pourquoi? Vous avez tué un ennemi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout le monde a paniqué sur notre base là? J'ai aucun dégât. J'ai absolument aucun dégât. J'ai 3400 HP mais j'ai aucun dégât. Eh ben bordel de merde, on a gagné cette partie. Encore une fois, Léonamide, ça a fait ses preuves. Tout s'est passé exactement comme prévu. Nous étions très largement devant notre match-up. Tout s'est bien passé. Quand vous jouez Léona, ne paniquez jamais. Tout va bien, à la fin vous gagnez. C'est obligatoire. Faisons un bilan de cette partie. Déjà on a eu As-, c'est bien, ça veut dire qu'on a bien joué. Comme on a pu le voir, on a fait 35 000 points de dégâts, ce qui est minable si on joue un AP carry, mais étant donné qu'on joue un tank mid lane, full armure, je trouve que c'est pas mal, étant donné que c'est mieux qu'à peu près tout le monde sauf le Teemo. Et le Talon. C'est perturbant. J'ai fait
21 000 points de dégâts magiques au champion. La cape solaire, la côte épineuse, tout ça combiné, ça fait des dégâts magiques. League of Legends est un jeu magnifique. Hein. Ah. Alors les gens ont peut-être râlé sur le chat, peut-être qu'on a parlé de la Nami. Mauvais support. You can say you are good. You can say you are good ADC when it's Leo and Braum who did the game. Ouais, je pense que Braum jungler et Leonamide, ça marche, hein, c'est bien. Je pense qu'on a carré cette game, tout va bien.